se récupère. L'esprit qui m'anime a survécu au crash de nos valeurs. Ces valeurs qui autrefois ont défini la base de la musique dans laquelle je m'exprime, source d'énergie pour le peuple, parce que rien ne se perd. Avec le temps, on finit par retrouver les traces de l'explosion de la matière, cette matière qu'on a crue inerte, a développé son élément le plus actif, l'ultime atome. L'ultime atome, après l'explosion du chrome, la désintégration des clones, il erre dans les airs un fantôme. L'ultime atome, après l'explosion du chrome, la promo des sticks dans le trône, il erre dans les airs un fantôme. La matière grise mise au service du rap et sa technologie, une glorieuse destinée pour le hip-hop et son industrie. C'est ce qu'on dit à l'écoute de la machine qui tourne, de la platine qui tourne, retourne. La vision de la zig mu, révolution, désormais le sang sort des EMU. Aimé sur les ondes, aimé dans l'underground, aimé sans se vendre, aimé sans se méprendre, aimé sans dépendre. Aimez-vous ce texte que je donne maintenant, lève ta main si tu me comprends. Tant de MC cause, tant de psychoses, défier les choses qui préoccupent tant le peuple dans ces moments de colère ou de ras-le-bol. Porte ainsi l'étiquette des métropoles, t'es morose. C'est là que le rap explose. Ultime espoir pour changer le cours des choses. Ultime atome, après l'explosion du chrome, la désintégration des clones, il erre dans les airs un fantôme. Ultime atome, après l'explosion du chrome, la promo des sticks dans le trône, il erre dans les airs un fantôme. Après l'explosion, l'éclosion de plusieurs molécules instables, malléables sous le sable, une érosion. Sous pression, le RAP fait des bulles, donc change de composition, change de formule. Qu'est-ce qui stimule ces MC qui bradent ainsi au plus offrant l'indépendance des tests? Quand le fer s'oxyde, la matière devient de moins en moins solide. Ma voix libre sonne la détresse. Mais à quoi bon sonner l'alerte quand le corps demeure inerte? Les portes ouvertes n'empêcheront pas d'avoir des pertes, certes. On sort tous du même tube, de l'expérience du rap en France, mais on ne sort pas les mêmes tubes. Sincère, depuis que le liquide s'insère dans le mouvement, l'écriture s'évapore doucement. Parce que rien ne se perd, tout se récupère après l'explosion de la matière. L'ultime atome, après l'explosion du chrome, la désintégration des clones, il erre dans les airs un fantôme. L'ultime atome, après l'explosion du chrome, la promo des sticks dans le trône, il erre dans les airs un fantôme. De la matière originelle reste un élément original, reste une cellule de résistance, l'ultime atome. Cet esprit qui plane encore dans l'atmosphère, dans la rue, sur les scènes, dans les studios, l'ultime atome. De l'explosion du business, tant d'espèces naissent, tant de groupes cessent d'exister sur les ondes, laisse ma radioactivité évitée par la radio, mais pas butée. L'écriture est ma richesse, on n'a pas attendu qui que ce soit pour faire du rap. Donc y'a pas de raison que cette matière première nous échappe. Et vivra toujours l'esprit des houles, et vivra toujours la zone des houles. Ultime atome, après l'explosion du chrome, la désintégration des clones, il erre dans les airs un fantôme. L'ultime atome, après l'explosion du chrome, la promo des sticks dans le trône,